Belli per il 2017 c'è un gradito ritorno, quello di Thierry Cantornet, che è il titolare della Dubitrois, il concessionario per la Francia del marchio Ducale, che è alla mia destra e che invitiamo a salutare. Buongiorno e bentornato Thierry. Bonjour, merci. Je suis très content de vous parler et je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait chez Dubitrois. Come già nella precedente esperienza, l'intervista che abbiamo realizzato nel corso di Venni in Paris 2014, io farò le domande a Thierry in italiano e lui, che comprende l'italiano, ma teme di sbagliare i verbi congiuntivi e tutto ciò che la grammatica italiana vuole, dice: no, ti prego, fammi rispondere in francese, e noi naturalmente andremo a sottotitolare tutto ciò che lui andrà a divulgare, proprio per dirci che cosa hanno presentato quest'anno a Venni in Paris 2017. Sì. Exactement, je vais commencer par une machine qui est une machine de snacking et sur laquelle nous avons la possibilité de réaliser un certain nombre de propositions, de menus et de présenter les produits, qui est une machine avec un ascenseur. Et donc, je vais vous la montrer comment elle fonctionne. Et alors, je passe de cette autre partie pour, appunto, faire en sorte que la télécaméra puisse reprendre quelles sont les opérations. Andiamo avanti. Alors, on va repartir de zéro. On est donc sur une machine de distribution de produits alimentaires. On peut distribuer tous les types de produits alimentaires, que ce soit des produits frais ou des produits ultra frais. Et donc le consommateur arrive, touche l'écran et on va lui proposer soit de faire un menu, donc de mélanger un certain nombre de produits de la machine, soit éventuellement de regarder de quel produit il s'agit. Alors je veux savoir de quoi je parle, je vais aller choisir une panna cotta ou un tiramisu, je vois que c'est un tiramisu, je comprends qu'est-ce qu'il y a dans le tiramisu, je décide de choisir ce tiramisu, et puis je décide éventuellement d'acheter ce tiramisu, la machine me dit que je dois payer 4 euros, et je vais pouvoir payer avec ma carte bleue, ma carte bancaire, ou je peux payer avec le ticket restaurant, ou je peux aussi décider de payer avec de la monnaie ou un billet. La machine va me donner un reçu qui va sortir ici. Sur ce reçu, je peux avoir un code barre pour me permettre d'aller sur une autre machine chercher un café une fois que j'aurai consommé. Si je commande sur cet écran, l'ascenseur de la machine va monter et va prendre les différents produits en une seule fois. Donc si j'ai choisi une boisson, une entrée, un plat principal, la machine va monter, prendre les trois produits et ensuite me donner l'ensemble du menu que je pourrai récupérer. Riusciamo a fare un test, una prova, una consumazione da mostrare agli amici attraverso la telecamera? No, questo no, perché il modo di pagamento non funziona e non si può fare la dimostrazione, ma l'altra sì. Benissimo, allora noi avviamoci dall'altra parte, preghiamo il cameraman di seguirci e andare a mostrare quindi se è pronta la macchina. Eccola qui. Vediamo un po' se questa è pronta per essere... io mi metto da quest'altra parte, chiedo scusa. Vediamo un po' questa come funziona. Questo ha lo stesso funzionamento? Allora, là nous sommes sur une machine dite de micro-market. C'est donc une machine qui va permettre de sélectionner les produits, de regarder si leur composition vous plaît et éventuellement, si vous ne l'aimez pas, de reposer les produits dans la machine. Si vous choisissez un produit de cette machine, vous allez pouvoir accéder à la machine d'abord parce que vous avez passé votre carte de crédit pour vous donner l'autorisation d'ouvrir la machine. Donc, proviamo. J'ai l'autorisation, bonjour, et il nomme, servez-vous, help yourself, I choose a product. Et là, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un sandwich à 3,50 €. Voilà, je veux un autre produit, je vais prendre
un yaourt par exemple, et donc on va m'additionner mon yaourt, mais je regarde le yaourt, il ne me plaît pas, je repose le yaourt. Voilà, et à ce moment-là, j'ai perdu mon yaourt. Mais comme je ne veux pas de sandwich non plus, je repose mon sandwich. E viene azzerato il credito in questo caso. E je ne suis pas débité. Ecco, allora ora spiegaci l'arcano, qual è il trucco? Il n'y a pas de truc. C'est les balances à l'intérieur de la machine reconnaissent que j'ai pris le produit ou que j'ai reposé le produit. Et si je décide de prendre plusieurs produits, les balances additionnent l'ensemble de ce que j'ai pris. Questa è buona, questa è davvero molto originale. Dobbiamo solo naturalmente sperare che non ci siano i furbi che inseriscono un prodotto dello stesso peso del tramezzino, lo prendono e fanno azzerare poi il credito. Alors, avec ce système de balance qui détecte, chaque fois qu'on va prendre un produit, la machine va détecter, elle va additionner à chaque fois le poids qui manque et donc je serai facturé de l'ensemble de ce que j'ai pris dans la machine. Et même si je décide d'enlever un produit et de mettre à la place une bouteille d'eau avec le même poids par exemple, je sais qu'avec ma carte bleue, j'aurai été reconnu par la machine. Et donc je ne pourrai pas le refaire parce que j'ai laissé une trace. Fantastico, davvero fantastico. Facciamo un passo indietro e vediamo la macchina brandizzata LOR della Ducale, che è una signora macchina ed è quella che continuate a proporre come il vostro prodotto principe. Alors évidemment, c'est une machine qui est merveilleuse pour faire de l'expresso, mais c'est aussi une machine, vous allez voir, qui fait du thé d'une forme un peu originale. Alors vous allez voir que sur cette machine, elle va vous distribuer un sachet de thé qui va infuser et qui, quand il sera infusé, les feuilles de thé ayant gonflé pour être jetées, il n'y a plus d'eau qui s'écoulera de ces sachets de thé. Vous voyez le petit sachet de thé, ça vaut le coup de regarder, peut-être on le montrera tout à l'heure, mais le sachet est tombé directement dans le gobelet, il est percé, les feuilles de thé sont en train d'infuser et le thé se prépare. Et ensuite, je vais retourner ce sachet de thé, finir de l'infuser et le thé est prêt. Et c'est un thé en feuilles. Ecco, la cosa incredibile è che Ducale, che è un'azienda storica per il proprio gruppo di erogazione, che è praticamente pari a quelli delle migliori macchine da bar, anche in questo caso per le esigenze del mercato francese è riuscito a trovare la soluzione più adatta alla circostanza. Questo è l'infuso di tè che viene fuori dalla preparazione che lui ha selezionato poco fa, senza polveri, ma appunto con questo stick che lui sta tirando fuori e che consente di interagire con l'acqua calda e creare un perfetto infuso di tè. Thierry, io non lo bevo ancora perché sto facendo l'intervista, e allora nel frattempo, bevendo questo tè, io ti invito a salutare gli amici di VendingTV.it. Merci a Vending TV e longue vie. Lunga vita a voi 2B3, lunga vita a Ducale e alle iniziative che andate a proporre al mercato francese e francofono per rendere ancora più facile la fruizione del vending. Grazie Thierry. Grazie a lei, grazie a Vending, grazie. E io nel frattempo, amici, continuo in altro stand per documentarvi tutte le novità, o quasi tutte perché sono davvero tante, in questo Vending Paris 2017. Grazie Thierry. Grazie a lei.